Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour le 65e, il me semble, épisode de Pokémon version rouge feu. La dernière fois nous avions fait les dernières préparations. Je vous représente la team. Alors il y a Sporky avec voilà ses attaques-ci, Coil, Sand, Torch, Floraison, Dodo. On va récupérer. Il me semble que je l'avais fait au dernier épisode. Retirer. Hop, on va prendre l'élixir. Build max. Allez, on peut prendre les lunettes noires. On prend les huiles et les pierres lunes, on s'en fout. Et déposer. On va déposer le super bonbon, on s'en fout. Et le reste, on peut garder. Lunettes noires, normalement, c'est bien torche. La torche qui a le multi-XP. Objet prendre. Objet prendre. On va donner à floraison. C'est le type glace. Non, autant donner à torche. Objet donné, pièce rune. Et les lunettes noires, je peux les donner à torche, mais ça ne servira à rien pour ce combat. Du coup, c'est parti. On avait tout bien acheté. On sauvegarde. Aujourd'hui, on va tenter de faire au moins la moitié. Allez, Olga. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Olga du Conseil 4. Je suis la maîtresse des Pokémon Glace. Personne ne peut les battre. Tes Pokémon seront à ma merci, oiselés. Ah ah ah, c'est parti! Ça me rappelle Razia dans Les Légendaires, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Lamantine. Niveau 52. J'avais oublié de changer mon lead, mais au final, je pense qu'on fera un conseil 4 par épisode. Ok. Tonnerre lui enlève à peu près un bon 80%, je dirais. Bon, là. On a battu Lamantine. Le Crustabri. On va continuer. Ok, Fatal Food. Ah, il joue à Brie. Bon, pendant ça, on se blesse petit à petit, mais ça y devra aller. Allez, Fatal Foudre! Et ça passe pas. Pico. Et le mec, il se la joue stratégique. Et on commence à perdre des PV, hein, quand même. On bâtonnerre, du coup. On va jamais pouvoir attaquer. Allez. Enfin, one shot, nice. Flagados, on reste. Tonnerre. Du, 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 du. Est-ce que Vive attaque? Ah, je sais pas. Je ne pense pas que ça devrait aller.
On va garder les hyper potions. Est-ce qu'on avait acheté? Normalement, on avait tout acheté. Oui, des rappels, des trucs, c'est bon. Du coup, potion max. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux laisser soigner alors. Fatal foudre, allez, s'il te plaît. Yes! C'est bon. Low class. On reste, on reste. 54. Fatal foudre. Yes. Je pense pas vraiment que Fatal Foudre va le mettre KO. C'est bien ce que je pensais. Onde folie. Aïe. Je sais plus s'il y a toujours la grêle, j'ai pas remarqué. C'est quoi, une baie? Une baie citrus? Baie citrus. Non, ça va, il est encore dans la range d'une attaque tonnerre, je pense. Allez. Allez, je pense qu'on va perdre Sparky. Laser glace. Ça va faire très très mal. Peut-être le chaos. Je pense que ça va être un chaos. Malheureusement, c'est le chaos. Coup critique. Et ben forcément. Coup floraison. J'ai oublié qu'il y avait les picots. Ok, plus un couteau de patrie, mais ça devrait passer. Tranche herbe. Allez. Ça passe pas, il reste un PV. Il reste un PV. C'est bon, on y est presque. Allez, allez, Foilian. Non, la guérison. Non. J'aurais dû faire Vampigraine. Ouais, bah de toute façon, voilà. Dans la logique, il va faire une attaque de type glace. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer Dodo plutôt et faire plaquage? Je tente des choses. Bon, c'est pas grave s'il y a des picots. Allez, laser glace. Il me semble qu'on a isogresse. Monsieur, là, on n'a pas isogresse. Je vois pas ce qu'on a. Hein. Résumé. On a peut-être vaccin. Non, on a isogresse. Du coup, on va faire bâillement. Ah mais il est chiant son low class là à faire honte folie tout le temps. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Dodo! Allez, bâillement. Pas la parax, pas la parax. C'est bon. Au tour prochain il va dormir. On va faire plaquage. On perd une cinquantaine de PV, ça passe. Allez, j'espère un trishot. Ouais, ça va être compliqué. Un quadrishot peut-être. Ok, déjà tour 1, obligatoirement il dort. Ça c'est nice. On l'a mis mid-life, plaquage encore. Ok, là il avait une chance sur 4 de se réveiller me semble. Ça sent... Ah, pas de soin. Plaquage et hop, coup critique. Bon, j'aurais aimé l'avoir plus tôt, mais c'est pas mal. Lipoutou, ah mais c'est qu'il en reste. Torch, à toi de jouer. On va utiliser déflagration. Ah, des psycho, bon, sauf si on se prend une grosse attaque psycho, coup critique, max troll, tout ça, ça je pense ça devrait aller. Déflagration, gros bisous. Non, 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 non. Non, on a la Pokéflûte. On a la Pokéflûte. On va pas tenter d'attendre. Pokéflûte, 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 utilisez. Allez, hop, réveille-toi. Attraction. Oh non!
Combien, c'est quoi l'amour? C'est une chance sur combien? C'est une chance sur 3, une chance sur 2, je sais pas. On a juste besoin de... On va switcher. On va envoyer Koi. Autre Pokémon femelle qu'on a. Du coup, il pourra pas se prendre attraction, ce qui est déjà pas mal. Et il ne pourra pas se prendre gros bisous, je pense. Ice Punch. Ça va. Ça passe. Ah oui, quand même, je ne pensais pas. On va tenter le one shot, danse pluie. On va faire combo danse pluie plus surf. Et ce combat aura été très long. Hein. Potion max, Koi. Point glace, ça va. Coup critique, non, pas de coup critique, ça va. Alors là, sous la pluie, on a... Ça devrait aller, j'espère, surf. Non, 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 non. J'en peux plus. Je mets le jeu en accéléré, je suis désolé, mais là... À partir d'un moment... D'habitude, Olga, c'est la plus facile. Point glace. Bon, là, ça passe. Ou ça casse. Surf. Putain, j'ai oublié qu'il était plus rapide. Ah! Torche. Il a pu s'arrêter. Bien heureusement. Allez. On tank pont glace largement. Ça fait mal quand même. C'est bon. J'oublie. Allez, hop, tu meurs toi. Putain. Ça devait pas se baser comme ça. Mais ferme ta gueule là. Tu sais de battre, c'est bien, mais la Ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. Et bah, du coup, au prochain épisode, on va affronter Aldo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Entre les deux épisodes, je me soignerai, probablement, avec mes objets, pas évident, je vais pas tricher. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Bougain5, enjoy!